C-E-L-E-A. Salut tout le monde, c'est Vitalik. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo Hunger Games sur les serveurs de Gary. On se trouve avec le kit vampire. Donc voilà. Donc avec pour un petit action cut. Donc le kit vampire, comme je viens juste de le dire. Donc on est sur les Gary. Donc le kit vampire VIP. Donc là, je viens juste de faire mon slash sponsor. Donc slash sponsor qui est vraiment genre super cool, je trouve, sur les Gary. Donc c'est vraiment un truc, je crois que c'est un des seuls serveurs AG où ils ont le slash sponsor vraiment qui marche bien et tout. Enfin, j'avais jamais vu d'autres serveurs, enfin des serveurs qui ont fermé deux semaines. Donc voilà, là on se retrouvait, donc j'avais le Red Edit de Stimpy. Donc voilà, si vous trouvez pas les packs que je vous dis, enfin genre le Skinny Sword de Stimpy, le Red Edit, vous allez dans son sa vidéo spécial 50 abonnés et vous téléchargez le, il a fait un pack folder avec tous ses packs dedans. Vous cherchez le Red Edit et il devrait y être. Donc voilà, donc là déjà on en jette pas mal, donc avec un place dans le cuir. Donc juste du kit vampire vous permet de régénérer toute votre vie une fois que vous tuez quelqu'un. Donc voilà. Donc là j'ai juste essayé de mettre une petite debuff sur la gamme, mais c'est pas vraiment marché. Et là j'ai réussi à en faire un deuxième, donc voilà, j'arrive bien à enchaîner avec le kit vampire sur les caries quand vous êtes chaud, c'est vraiment kiffant. Donc là par contre j'étais pas super bien stuff, un autre saute dessus, j'arrive à le combo. Donc déjà au début j'arrivais à bien gérer. Et après je décide de partir en retrait un petit peu pour voilà, et un autre gars me saute dessus directement, donc je prends ma speed et je vais me retourner et mettre un petit combo. C'est parfait que non. Ouais, et dans le team de 2, donc aussi, je voudrais juste dire que. J'ai parfait que les deux, je crois. Je sais pas. Dire que sur les carrés, il y a tellement de teams, mais genre, c'est pas possible. Le nombre de teams qu'il y a, chaque fois que j'essaie de rec et que j'essaie de prendre un autre team, un autre kit que vampire et que je suis en solo, c'est presque impossible. À cause de toutes les teams, et en plus je me suis habitué à utiliser vampire, c'est vraiment mais vraiment chaud. Et après on me dit pourquoi je joue sur les Lifecraft et tout. Sur les Lifecraft il y a beaucoup moins de teams que sur les Gary, je trouve. Donc je peux me permettre de divertir le kit, donc utiliser des kits plus fun peut-être, à utiliser plus originaux. Donc voilà, ça c'est pour ça. Donc là je suis un peu parano sur les Gary, je tape tous les moutons pour parce qu'il y a beaucoup de camélons, je trouve. Donc ça c'est plutôt drôle parce que parfois ils sont un peu très spotted. Bref, donc ouais, c'est un petit action cut. Donc voilà, action cut c'est juste je passe que les moments où il y a de l'action. Et je suis pas désaccéléré mais plutôt des coupures. À part au début où j'ai fait un accéléré pour me laisser le temps de faire la présentation et tout. Donc là encore une team de deux, donc je me mets en speed, je leur shot un petit peu. Et là ils sont dispersés, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pas très malin, ils vont dans l'eau alors que j'ai un arc aussi, ça c'est pas très voilà. Aussi donc j'aimerais parler d'une chose qui va bientôt arriver sur la chaîne, donc en février par là en principe. Donc j'étais invité sur Underfight par Darkshield. Donc voilà, Darkshield pardon. Donc voilà, un grand merci à toi déjà. Donc Underfight a déjà été tourné, je spoil rien, hein, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, donc ça s'est bien passé tout ça. Peut-être je peux vous dire la team, je crois. Bref, j'étais avec Barre de Fer et Twain Lafrite. Donc Barre de Fer vous connaissez, Twain Lafrite il a pas de chaîne. Donc voilà, je vous spoil ça, enfin si on peut appeler ça un spoil. Donc voilà, ça s'est super bien passé, c'est super marrant. Enfin c'est vraiment c'était la première fois que j'avais que je faisais quelque chose comme ça, c'était vraiment drôle, j'ai trouvé. Donc voilà, un Underfight, si vous savez pas ce que c'est un serveur, enfin c'est un pas un serveur, c'est un KTP avec d'autres youtubeurs, donc des plus petits youtubeurs forcément. Donc voilà. Si vous connaissez pas, regardez sur YouTube, il y a déjà 5 saisons. 5 saisons, ouais, là c'était la 6ème saison. Donc juste pour vous prévenir qu'elle va. Et vous dire qu'elle va bientôt arriver sur la chaîne. Donc voilà. Par contre là le gameplay est assez long, donc ça va être assez dur de rester en commentaire pendant toute la partie. Mais bon, on va essayer de se débrouiller et de vous parler de ça. Donc j'aime pas du tout laisser de la musique. Enfin vous mettre, je veux dire, genre juste j'ai rien à dire et vous mettre de la musique pendant tout le gameplay.
Personnellement, je préfère avoir une petite musique en fond et une voix qui parle par-dessus. Donc là, j'ai vraiment flippé. Le gars m'avait poussé dans l'eau, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus et me tuer. Donc j'ai battu en retrait et j'ai commencé à mettre des flèches. Et ne pas trop faire le fou parce que c'est tous les deux full cuir. Hein. Encore une team de deux d'ailleurs. Par contre, il c'est pas très bon. Donc, une fois que j'en tue un, c'est assez, assez tranquille pour le deuxième. Donc voilà. De quoi puis-je vous parler? Donc aussi ouais c'est chiant parce que sur les guerriers, le truc qui est chiant c'est Team Barbare, c'est le team kit barbare, c'est je sais pas si vous connaissez, c'est un kit gratuit assez beaucoup OP, donc qui permet d'avoir plastron cuir et épée fer. Et bon, parfois les gens se team, enfin team et avec ce kit, comme il est gratuit, et c'est vraiment ça c'est le plus dur à confronter au début, surtout quand vous êtes no stuff à cause du kit vampire. Ça c'est vraiment dur, et après une fois que vous êtes à épée fer et plastron cuir, en principe ça va assez facilement si vous êtes vampire personnellement. Après ça dépend, il y a toujours des aléas, plein de choses qui se passent entre temps. Donc voilà, donc je m'étais permis de me faire une petite épée en diam, hein, vu que bah, j'avais 2 diams, donc là voilà, juste un petit GK que je tue, il est en train de faire du cuir du fer, donc je me suis permis de prendre son stuff et de me le mettre et de me faire cuire un peu plus aussi. Donc aussi je suis au courant que vous préférez les commentary live, mais pour moi c'est beaucoup plus difficile, surtout que je suis souvent en con avec des amis ou des choses comme ça, même si je pouvais pas commenter, juste je sais pas, peut-être que c'est le matin où j'avais pas vraiment envie de commenter ou où il y avait du bruit de fond. Mais en tout cas, quand je peux commenter en live, je commente en live, ça c'est sûr. Mais généralement, je peux pas commenter en live car je suis en cours avec des autres gens. Donc voilà. Donc là, le fist avait apparu. Donc moi, sur les guerriers, généralement, je fais pas souvent fist pour essayer de me laisser un peu de challenge. Donc, d'ailleurs, je t'ai dit à 11 kills. Pour me laisser du challenge, je vais pas au fist pour avoir un fight assez chaud. Donc là, j'ai essayé un peu de le troll. Je sais pas pourquoi. Je voulais le troller en le tuant avec des squelettes. Mais je sais pas, il voulait pas crever, il arrivait à tous se les faire, donc je l'ai juste tapé et je l'ai juste tué. Donc voilà, bah après j'ai continué, je remonte et je continue à track. Donc voilà. Donc après aussi beaucoup de gens me demandent ma souris, parce que dans ma dernière vidéo sur l'aircraft j'ai drag click, donc ça fait en sorte que la moitié de tous les commentaires ce soit à propos de ma souris. Donc j'ai une Rocatcon pure, donc une très bonne souris, personnellement je vous la conseille. Elle a deux macros sur le côté, donc moi j'en utilise une pour sprinter, donc voilà, et elle peut drag click, donc là ça fait peut-être un an que je l'ai, donc et je peux drag click, donc je sais pas si je pouvais avant, en tout cas je drag click depuis à peu près peut-être, je dirais 3 semaines, un mois on va dire. Donc voilà, je sais pas au bout de combien de temps on peut drag click avec. En tout cas beaucoup de gens m'ont demandé, donc là j'arrive au fist, et donc y avait le gars stuff comme je m'attendais, mais il était pas trop stuff non plus, il avait plastron diam, mais il avait pas de casque diam, c'est pas de plastron fer, donc voilà, c'était un peu pareil que moi. Et du coup là je me suis fait, au début je lui ai mis un pseudo, et là en fait j'aime bien faire cette technique, en fait vous prenez une fire resistance et vous bourrinez mais vraiment beaucoup de feu, et du coup ça va beaucoup déstabiliser l'adversaire, vu que vous êtes en feu et tout, il va se sentir supérieur, enfin je sais pas, personnellement ça marche bien plutôt, et du coup bah là il a un peu foncé sur moi et j'ai réussi à le tuer. Donc aussi mon FOV, je le mets entre 80 on va dire entre normal et 90, rarement je le mets à 90, donc je le mets en normal pour les koi et en 80, 90 tout ça pour les HG, donc là où je suis pas en speed. Donc voilà, je le mets en feu, je tourne un peu autour de lui, je voulais un peu le troll, je faisais tout mon briquet, genre bien lui faire mal. Et ceux qui mettaient des zombies, donc ça me faisait quand même assez mal. J'ai un peu flippé à un moment parce que j'étais un peu au milieu des zombies, et là j'arrive bien à l'enchaîner avec les flèches. Et j'arrive à me le tuer. Donc voilà, ça fait une petite vidéo sur les guerriers, donc un bon petit gameplay. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas de liker, commentez pas, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, bye bye, c'était Fatalik.